Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Ice Angel Coloriage. Aujourd'hui, j'ai mon art pour le mois de août. Fait que je vais tasser ces items-là, puis on va regarder ça. C'est un petit art. Il manque une livre qui va arriver à la fin du mois, parce que c'est sur Etsy, puis c'est long. Fait que là, comme tu peux voir, j'ai acheté un autre aiguisoir. Pourquoi? Mon Staedtler, il marche bien, mais des fois, il lâche mon crayon, il veut pas le tenir. Fait que je me suis dit, je vais prendre un autre de même. Je l'avais, il a toffé quand même longtemps. Comme ça, si mon Staedtler casse, mais j'en ai une de spare, puis je suis pas mal pris. Ensuite, on va regarder ça ici. On va l'ouvrir. On va regarder ça. Comme tu sais, excuse le bruit. Ces derniers temps, j'adore l'aquarelle, fait que je suis en train d'essayer de l'apprendre, faire des fonds avec. Fait que j'ai pris Watercolor for Beginners, a fun and comprehensive guide to watercolor paint using and a simple set of supplies par Emma Witt. Witt, je pense. Mais dans le fond, c'est des étapes par étapes pour montrer des trucs, des projets. Si jamais tu veux le voir un flip complet, tu me diras. Je peux faire une vidéo complètement dessus. Mais vu que c'est en anglais, je me suis dit, je vais juste montrer vite fait, tu sais, comment faire ça. Étape par étape. Fait que c'est fun pour ça. Fait que je me suis dit, ça pourrait être commode pour faire certaines choses. Certains effets. Fait que je vais m'amuser avec ça. Ça risque d'être intéressant. Ensuite, j'ai ce petit livre-là, que je vais faire un flip complet tout de suite. Où je vais te montrer un petit peu, puis je ferai une vidéo avec. Non, je pense que je vais faire le flip tout de suite. C'est un Create Your Own Tarot Deck with Full Set of Cards to Color. Le livre, il est en anglais. Mais moi, ce qu'est-ce que je trouvais bien, il en parle de tout dedans. Ça, c'est toutes les explications de les cartes. Et ici, ça, c'est les cartes. Tu vois, ils sont toutes sur carton. Le derrière est là. Mais c'est le deck complet là-dedans. Pour moi, c'est ça, je trouve ça intéressant. C'est un bout que je veux en colorier. Puis j'ai réussi à trouver ça, puis il n'est pas trop dispendieux sur Amazon.ca. Fait que ça, c'est le Create Your Own Tarot Deck, que je vais faire un flip tout de suite après cette vidéo. Ça. Et la dernière chose qu'on va faire tout de suite, on va tout regarder, c'est la Beautiful Creatures Tarot de J.R. Riviera Artwork et Jasmine Beckett Griffith. J'espère qu'il y a un guide dedans. J'ai jamais fait ça, mais on va voir ça ensemble. Le code QR, je sais pas comment checker ça, fait que je vais le garder en cas. On va voir. Il dit fabriqué en Chine, fait que j'espère que j'ai pas une affaire de contrefaçon. Puis que là, je serais pas capable de rien faire avec, mais c'était plutôt pour avoir l'inspiration du... pour quand je colore ces images, parce que je... J'ose jamais d'y aller dans ces livres. On dirait que je manque tout le temps d'inspiration. Ou que je sais pas où m'en aller. Fait que je me suis dit, on peut pas virer mal avec... Attends, je vais garder ça en cas où. Avec des cartes de ces dessins. Fait que là, on va ouvrir ça sans tout briser, on espère. Tiens. Est ouvert. Ça, c'est les cartes. C'est une des cartes. Fait que je vais essayer de lire le code QR. Fait que là, on va regarder ça ensemble. You are the one. Authenticity. Page of Cups. Mais je pense que je ne lirai pas les noms. On va juste regarder les images. Elles sont tellement belles. Ça, je l'avais colorié. Ça aurait été fun d'avoir l'original. Mais c'est pas grave. Elles sont tellement belles. C'est un deck complet, fait que je vais essayer de pas prendre 4 heures non plus, parce qu'il y a 78 cartes. Sont-tu belles, hein? Oups. Et ça, j'y mettais à l'envers pour pas changer d'ordre. Ah, je te dis. En tout cas. Regarde la sirène, est-tu belle? J'aimerais ça être capable de colorier les cheveux de même. C'est peut-être quelque chose que je vais pratiquer. Mais c'était vraiment une question d'inspiration pour colorier.
Je suis juste dessus, il n'y a pas de guide, il explique pas comment faire. Fait que c'est vraiment pas chanceux pour ça. Je veux pas être obligé de la racheter la plus grosse version pour l'avoir plus. C'est vraiment des belles images. Comme ça, cette image-là, je regardais tout le temps, mais je savais pas quoi faire avec. Fait que. C'est-tu beau, hein, qu'un peu, tu sais? Le livre de cartes de tarot, je pense que je vais faire le flip dans cette vidéo ici. Ça va être tout fait, one shot. C'est tellement beau. Je suis très content avec les cartes. Je suis juste dessus qu'il n'y a pas de guide. Je l'ai dans un de mes livres. Elle n'est pas coloriée, mais je veux le faire, fait que ça pourrait être fun. Essayer de faire similaire comme ces cartes. Si tu voulais des inspirations pour tes colos Jasmine Beckett Griffith, non, c'est vraiment une belle affaire. C'est sûr, tu pourras probablement tout trouver ça sur son site. Mais c'est toujours fun de l'avoir, que tu peux de le mettre carrément à côté de toi quand tu colores, puis c'est ça. Tellement de belles images. Je suis très content. Je vais essayer de trouver une façon de lire le code QR, là. Sinon, c'est vraiment poche. Fun, je savais pas comment colorier celle-là. Je vais prendre mes inspirations. J'aime ça, moi, des fois, à colorier sur copier. Ça doit être pour ça que j'aime tellement les Disney. J'aime ça avoir les couleurs de près. Me donner une idée parce que je suis pas très bon à choisir mes palettes de couleurs. Ça me semble c'est couvert de le livre d'Alice d'ailleurs. J'ai pas celle-là. Je voudrais peut-être que j'ai essayé de les ramasser le reste de ces livres aussi. Encore des dépenses. Mais on est tous pareils, hein. On aime ça, les avoir, les choses, puis pas qu'on en utilise plus. Moi compris. Je dis tout le temps, je vais essayer de pas dépenser, mais je finis par dépenser pareil, hein. Oh, elle est belle, ça, là, gars. Celle-là aussi, je l'aime bien. Et ça achève. Mais quelle beauté, hein? Et voilà. Fait que ça, c'est celle-là. J'ai une carte qui a l'air maganée un petit peu, mais regarde, c'est minime. Fait que là, on va essayer de trouver c'est quoi le guide. Comment aller trouver ça? Je sais pas. Si tu as des idées, je ne sais pas de me dire en dessous. Je vais fermer ça tantôt. Là, on va faire le flip de le tarot deck. With full set of cards to color. Là, je ne ferai pas le flip de tout ça, mais les cartes sont là en colorie, en image. Ça, c'est des mini de toutes les cartes. Ça a l'air assez épais. C'est lisse, mais rugueux. Ça fait que je sais pas. Je vais essayer plein de crayons, plein d'affaires dessus. Puis on va voir ce que ça va donner. C'est dos à dos. Fait que. Il dit que c'est un deck complet. Si j'aime ça colorier ça, j'ai découvert qu'il y en a plusieurs qu'on peut acheter des decks complets pour colorier. Fait que. Tu vas peut-être voir ça plus souvent sur ma chaîne.
des effets coloriés. Je dis pas les noms, puis si je vois trop vite, n'hésite pas à ralentir la vidéo parce que là, je veux quand même pas dépoper les cartes. J'aimerais ça les colorier dans le livre, si possible, mais je suis pas sûre si ça va être possible. Ça se peut, faut que je les fasse à l'extérieur. Je trouve ça vraiment cool. C'est un beau jeu. Ça va être vraiment belle quand c'est tout colorié. Imagine ça, tu sais, cœur tout rouge, avec des épées argentées et puis des nouages orageux. Oh, j'ai tellement hâte. Je vais commencer ça tantôt, d'après moi. Je suis en train de faire une petite colo Disney dans mon art déco parce que là, on a repris, moi et Indra, puis je suis tellement content, ça m'avait manqué. Fait que là, je vais finir ça, puis après ça, j'entame ça. Oui, monsieur. Et voilà. Fait que ça, c'était mon petit haul. Je savais pas grand-chose. Coupe de livre en or, etc. Mais c'est de quoi pour me garder occupé. Fait que je vais te dire merci d'avoir écouté mon vidéo. Si t'aimais ça, likez ça. Si t'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi s'il vous plaît. Puis avec ça, je vais te dire bye bye. À la prochaine vidéo.